comprends pas. Et je ne te comprendrai pas, jamais, jamais. Hier, tu m'as dit 17h, hier. Aujourd'hui, c'est 16h. Quoi ? Je ne t'entends pas. Oh, c'est toujours, toujours, toujours pareil. Aucune organisation, mais qu'est-ce qu'elle peut m'énerver. Un jour, elle me dit 16h, l'autre 17h, l'autre 19h, et moi, hein, moi, j'y vais pas. C'est le moment, c'est pas le moment. Ils vont arriver, rien n'est prêt. Et que je ne sais même pas quelle partition on travaille. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, tu sais très bien ce que tu as fait, Margot. Tu changes constamment les horaires de répétition. Mais voilà, et alors moi, qu'est-ce que je fais, hein? On répète toujours à 5 heures, toujours. Oui, toujours. Donc aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Ben oui, on commence à 16h. Et 16h, c'est pas 17h que je sache. Moi non. Ben non, ben c'est bien ce que je dis. On commence pas toujours à 17h. On commence toujours à 5h, sauf aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Sacha ne pouvait pas rester tard. Ouais, et l'autre jour, c'était 15h30, parce que Daniel avait un problème. Oui, la dernière fois, Daniel avait un problème. Ben oui, mais tout le monde a des problèmes. Et moi, hein, qu'est-ce que je fais avec mes pupilles? Tu peux me le dire? Tu as un problème? Mon Dieu, aidez-moi à garder mon calme. Oh, mais Margot, mais va t'habiller! Mais ils vont arriver et je dois installer les pupitres. Sors immédiatement de ce salon. Mais je suis habillée. Regarde. Mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu. Margot, tu sors immédiatement de ce salon et tu vas te mettre autre chose que ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je mette? Oh, Margot, Margot, je ne suis pas maman, Margot, hein? Alors tu sors immédiatement et tu vas t'habiller. Bon, d'accord. Moi, je vais très bien. Tu sors! Oh, j'en ai assez. Je vais quitter Margot, je vais quitter ce quartet, je vais quitter cette maison, je quitte ce pays! Personne? Ça, ça te va, ça? Salut! Où aller? Ah, t'es là, Sacha? Ah oui? Attends, je reviens, je vais m'habiller. Ah non, il n'y a pas besoin de se presser. Bah, va bien. Je croyais que tu devais partir tôt. Ah non, absolument pas. Mais pourquoi on répète à 4 heures alors? Bah oui, pourquoi? Je te jure, j'ai de la choucroute dans la tête. Ben, ouais. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai pas du tout la tête à l'endroit. Bon, et on travaille quoi là maintenant? Hein? J'ai trouvé un truc formidable. Viens voir. La porte est ouverte, je la ferme. Mais vous êtes pas là? Eh ben non, ils sont pas là. Tiens, Daniel, tu es là. Eh hey, non, c'est ma cousine. Comment? Tu me demandes si je suis là, je te réponds non, c'est ma cousine. Ah, c'est une de tes blagues, je suppose. Elle est là, Margot? Regarde dans la cheminée. Ah, c'est une blague? Ah, c'est là, Daniel? Ah. Voilà, on va travailler un nouveau truc, c'est très beau. Ça va, Margot? Ah oui, ça va. Ah, pas terrible, hein. J'ai une encéphalopathie spongiforme en ce moment. Ouh. J'ai le vélo qui pédale dans la vache folle, là. Ouh, ça doit être une nouvelle maladie, ça. C'est peut-être l'amour. Ah tiens, vous êtes là. Non, c'est nos cousines. Oh, Margot, es-tu l'obligeance de me dire quelle partition on travaille aujourd'hui que je puisse aller chercher les photocopies? J'ai trouvé un nouveau truc, regarde. Oui, mais à part ce nouveau truc dont tu ne m'as jamais parlé et qui par conséquent n'a pas de photocopie, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, ce que je dois apporter? Il y a dans la chambre d'à côté 750 kilos de partition. Combien de kilos te ferait-il plaisir? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh là 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 là, tu sais très bien ce que tu as dit. Hein? Alors, je ne sais plus. Il est 16h20. Ouais, c'est vrai. Il est 16h20. Et on devait commencer à 16h. Oui. Bon, on travaille. Bon, je vais changer. Excuse-moi, Sacha, tu es pressée. Moi? Mais pas du tout, je suis absolument pas pressée, moi. Comment ça, tu n'es pas pressée? Comment ça?
Tu n'as rien de spécial à faire ce soir? Moi, absolument rien. Quelqu'un peut-il m'expliquer dans ce cas pourquoi est-ce qu'on commence à 16h? Et pourquoi? Ben oui, Margot, pourrais-tu me dire pourquoi est-ce qu'on commence à 16h aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Ben oui, Sacha n'a strictement rien à faire ce soir. Ben je sais, il n'a rien à faire, on peut travailler tard. Quelqu'un pourrait-il me dire dans ce cas pourquoi est-ce qu'on commence à 16h? Pourquoi est-ce que Sacha avait quelque chose à faire ce soir? Pourquoi est-ce que Sacha n'a plus rien à faire ce soir? Pourquoi jamais personne me dit rien dans cette maison? Mais, ah tiens, mon ange, regarde ce truc, c'est très marrant. Non, on n'a pas besoin de pupitre, hein. On va le déchiffrer comme ça, je peux être tombé sur vos paupières. We are coming, Jacob, Cedar, soldiers of the cross. J'ai l'impression que tu presses un peu, Tia. Moi, je presse. C'est pas grave, c'est juste que quand tu t'angoisses, t'as tendance à presser un peu. Mais je ne suis pas du tout angoissée. Seulement, dans un morceau jazzy, pour que le tempo soit respecté, il faut une basse solide. Il faut une basse solide? Eh oui, pour que le tempo soit respecté. Si la basse flotte, je suis désolée. Ah, la basse flotte, hein, c'est ça? Oui, flotte. Et tu sais ce qu'elle te... flotte. Tu sais ce qu'elle te dit, la basse? La peinture est fraîche, on va recommencer. Oui, c'est sûr, mais bon, n'empêche que si tu ne chantais pas comme un veau sourd et aveugle et que tu écoutais un petit peu les autres Arrête de parler de quelque chose que tu ne connais pas, s'il te plaît. On retrouve We Are Climbing, hein, oui, ok allez, un, deux, trois, quatre. We are climbing Jacob's ladder, we are climbing Jacob's ladder, we are climbing Jacob's ladder.